Bonjour, vous êtes ici à Haute Galerie. Donc nous sommes 203 rue Haute. Alors ça fait 5 ans maintenant qu'on est dans les Marolles. Le concept de Haute Galerie, c'est plutôt travailler. Donc on travaille avec des artistes contemporains ici de Belgique ou même international. Et donc nous travaillons plutôt sur l'humain et le figuratif. On aime beaucoup l'humour, le surréalisme. Ici, nous avons fait la deuxième édition de Jesus Loves You. Donc c'est vrai que c'est une exposition qui nous a beaucoup parlé il y a quelques temps, qui parle beaucoup aux artistes. Et donc voilà, donc c'est la deuxième édition avec 12 artistes représentés de toutes disciplines. Donc il y a peinture, collage, photographie, assemblage, sculpture, encre, dessin. Voilà, il y a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les idées. C'est une galerie qui tourne tout le temps, qui ne s'arrête jamais de tourner. Car on a la chance en fait de la louer à des artistes ou des agents artistiques qui représentent des artistes. Et donc en fait c'est une formule où nous on fait 4 expositions par an qui durent un mois environ, 4 week-ends. Ici c'est un quartier qui marche très bien le dimanche. Et le reste du temps, donc comme ça nous on peut préparer nos expos et on peut souffler. On loue à des artistes 8 mois de l'année, et donc c'est bien parce que c'est en continu, on ne s'est jamais fermé, ce n'est jamais fermé. On chinait depuis longtemps, moi je chine dans le quartier, sur les marchés Opus, sur le marché Opus, place du Jeu de Balle, dans les différents commerces aux alentours depuis très très longtemps bien entendu, et je continue encore à chiner. À l'origine, on a été passionnés par l'art depuis très très longtemps, on était collectionneurs et en 2017, on a eu l'occasion de franchir le pas et d'ouvrir notre propre galerie. Donc toujours des expositions collectives qui rassemblent environ une dizaine d'artistes sur un thème prédéterminé. Donc voilà, moi je m'appelle Yann Bucquois, donc voilà, je suis dans le quartier environ depuis 1969. Moi je fais de l'art conceptuel autour de la Belgique. Mon thème, c'est la Belgique, aussi bien en cinéma qu'en peinture. Et donc, on expose souvent à la Haute Galerie, puisque c'est une galerie qui invite, qui fait des expos collectives ou individuelles. Depuis 35 ans, je détourne Tintin pour lui donner une vie normale, c'est-à-dire sexuelle, affective et politique. Voilà. Puis, j'ai eu des procès. Voilà. Ouais, le musée du slip, bon, ça fait aussi, je pense, ça fait 35 ans que je fais ça. Donc là, il y a des vrais slips, des faux slips, et je mélange tout ça, c'est l'esprit belge. Je l'ai exposé à Shanghai, je l'ai exposé un peu partout, à Paris, en France, à Londres, tout ça. Et, voilà, j'amène l'esprit des Marolles, je l'amène dans mes valises et j'expose. Et chaque fois où je vais quelque part, je demande les slips des personnalités, c'est ça l'idée. Mais par exemple, à Shanghai, on m'a saisi tout de suite les slips de Mao. Donc, tout le reste, c'était bon. Les Américains, tout ça. L'ennemi, mais pas Mao. Mais donc, j'ai eu Fadil Al-Anan, enfin, les politiques. Donc, tu vois aussi, en fait, quand les gens te donnent leur slip, les gens de pouvoir, c'est qu'ils ont l'esprit ouvert. J'ai eu les slips des différents bourgmestres, comme Yvan Mayer. Et maintenant, j'ai Philippe Close. Enfin, bon, tout ça, ça bouge. Oui, une des grandes anecdotes, c'est que bon, j'avais exposé le slip d'Yvan Mayer au Dolomol et il avait été volé. Et donc, ça a été repris par Belga. Et du coup, dans tous les journaux du monde, il y avait un article où on disait « Le slip du bourgmestre de Bruxelles a été volé ». Donc, les gens se sont dit « Mais... c'est quoi ce pays ?» Le quartier des Marolles est certainement un des quartiers, je trouve, les plus chaleureux de Bruxelles, qui mélange des antiquaires, des brocanteurs, de l'Afrique, beaucoup d'Oreca. Je trouve qu'il y a une animation quotidienne, véritablement, dans ce quartier. C'est un quartier qui a une histoire, qui a un folklore, et qui, je trouve, reste vivant, beaucoup plus vivant, par exemple, que le centre-ville. Le centre-ville qui m'a l'air beaucoup plus désertifié, tandis qu'ici, on a encore un quartier avec des habitants et des habitants qui demeurent très, très mixtes, finalement, avec des populations peut-être plus fragilisées, mais aussi très près des populations plus bourgeoises. Et donc, on a encore un quartier qui garde véritablement une mixité. Les Marolles, c'est vraiment, je trouve, pour moi, le quartier le plus sympa de Bruxelles, avec Saint-Gilles aussi, le parvis de Saint-Gilles. Enfin, je veux dire, Bruxelles est assez petit, donc finalement, on a vite fait le tour. Et je trouve que c'est des quartiers ici très vivants et très agréables à vivre.
Voilà, donc on est ici à Haute Galerie, au 203 rue Haute, et vous êtes toujours les bienvenus. La galerie est ouverte toute l'année, du jeudi au dimanche.